and I'm the lead pastor of Rally Icon. Thank you for visiting our Icon TV. And I pray that the Lord thought will open your eyes and see the excellence of Christ through the preaching that we lay. I know God allowed you to come and visit our website because God knows where you are standing. You may be going through tough time, to tough problem situation. I don't know, but the Lord knows. That's why he allowed you to come and visit. And I'm going to pray with you so that you may find God through the preaching that is laid exposed in our website. Father God, I pray in the name of Jesus that you may open the eyes of my brother and my sister's heart so that he may see or she may see the excellence of Christ and find you through the preaching. In the name of Jesus, who is our Lord and Savior, I pray. Amen. Thank you and God bless you. Thank you very much for watching this video. For your edification or more information, we invite you to our website www.ecomchurch.org, Facebook page, or subscribe to our YouTube channel for more sermons from the man of God, the Reverend Pastor Caleb Buna. And if you are visiting Raleigh, North Carolina, please join us in our Sunday morning church service from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at 5824 McHines Place, Raleigh, NC 27616. May God bless you abundantly, and glory to the Almighty God. Mais ce qui était très important, j'ai béni le message du pasteur, c'était l'unité. Pour rejoindre le pasteur, j'ai dit ceci le dimanche. La vision, Dieu donne à son serviteur, mais la vision n'appartient pas à l'homme de Dieu. La vision est de Dieu. Elle est donnée à son serviteur. Je le prends. La vision vient de Dieu. Elle est donnée à son serviteur. Mais la vision est pour les peuples. C'est pourquoi? Elle vient de Dieu. Elle est donnée à l'homme de Dieu. Mais la vision est pour les peuples. Quand Dieu donne la vision à Moïse, il dit, je vis la souffrance de mon peuple. De la vision que je te donne. Ce n'est pas ta vision, mais c'est la vision du salut ou de la délivrance de mon peuple. Quand Dieu donnera la vision à Noé de construire l'arche, c'était pour que l'humanité soit sauvée. Ce n'était pas seulement la famille de Noé. Dieu a dit à Noé, construis une arche. Et dès que tu finiras, tu vas sonner de la trompette. Celui qui va écouter le son de la trompette, il va entrer dans l'arche et il sera sauvé. Noé a construit une arche. Mais ma grande surprise, Pasteur Canel, ce ne sont pas les hommes qui sont entrés, ce sont les bêtes qui sont entrés dans l'arche. Dieu a donné la vision à Noé. Il dit construire l'arche en trois étages. Le premier étage, il y a la nourriture, il y a la provision. Le deuxième niveau, c'était là où le bête pouvait habiter. Et le troisième niveau, les hommes. Et Noé a fait la provision avant l'arrivée des bêtes, comme je l'ai dit le dimanche passé. Donc quand les gens ou le bête venaient pour entrer dans l'arche, la provision le précède. Donc quand Dieu donne la vision, comme il a donné la vision à son serviteur, automatiquement, il a donné aussi la provision. Et parmi la provision, il y a la provision humaine et la provision matérielle et financière. Un homme peut être une provision pour l'homme de Dieu. Tout comme il y a la provision matérielle et financière. Donc quand tu arrives à l'église, ta bénédiction est déjà là avant que toi tu arrives. Donc ta bénédiction te précède. Mais là, pour bénéficier de cette grâce, je sais pourquoi j'ai trop de versets. Il y a trois conditions. Un, écoutez le son de la trompette, sinon les bêtes vont te précéder. Amen. Et pour écouter le son de la trompette et reconnaître que c'est le temps, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. D'où l'église chrétienne. C'est une église là où le Saint-Esprit t'enlève. La deuxième condition, tu as écouté le son de la trompette, tu es rentré dans l'arche. Il faut être dans l'alliance avec le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur cette église. Pourquoi? Parce que la provision est au bas, au premier niveau, les hommes, au troisième niveau, les bêtes, au deuxième niveau. C'est Noé qui descendait prendre la provision au premier niveau pour donner aux bêtes. Les bêtes ne partaient pas pour s'en servir. Donc la provision que Dieu a mis dans l'église, pour entrer en possession de cette provision, tu dois être dans l'alliance avec l'homme de Dieu que Dieu a établi sur l'église. Et tu dois l'aimer. Tu dois le porter dans ton cœur. Pour qu'elle dise que sois béni, même si tu te poses les mains, tu ne te poses pas les mains, tu es béni. Amen. Tiens, parce que tu as dit quelque chose que j'ai aimé. Moi, j'ai toujours dit ça. Si tu ne m'aimes pas, quitte l'église.
Si tu n'as pas confiance en moi, quitte l'église, c'est pour ton bien. Parce que tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, tu ne seras pas bénéficiaire. Amen. Amen. Ça, c'était mon introduction. Nous sommes dans les livres de roi. C'était un temps difficile. Un temps de la sécheresse. Mais je me demande si dans l'arche, il n'y avait pas la nourriture, si une bête s'est nourrie, si une vraie. Ici, en Israël, il y avait la sécheresse. Il ne pleuvait pas. Plus de 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Alors, Élie est revenu. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé au Mont Carmel, mais ce qui m'intéresse, c'est le problème de la pluie. Après avoir exécuté les prophètes de Baal, tout ce que vous connaissez l'histoire, Élie va dire au roi, « Monte, mange !» Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, il part, il monte sur la montagne, il commence à prier. Il prie. Après, il appelle son disciple. Il dit, va dire au roi d'atteler vite son cheval et de partir, sinon il sera mouillé. Et ce roi-là, ce n'était pas un étranger bien-aimé. C'est quelqu'un qui vivait en Israël. Il connaissait déjà que ça fait 3 ans qu'il n'y avait pas de pluie. Mais on vient lui dire, monte vite parce qu'il y a le bruit qui annonce la pluie. Mais je pense que les rois pouvaient dire aux disciples d'Élie, est-ce que toi et ton prophète, vous êtes normal? Il regarde dans les cieux, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'éclairs. Il me dit, est-ce que vous êtes normal? Donc il n'y a aucun signe précurseur qui annonce que la pluie vient. Il n'y a aucun signe qui pouvait faire voir ou pouvait convaincre le roi que bientôt il va pleuvoir. Les rois regardent et disent, mais est-ce que ça va là chez vous là? Ça veut dans les choses de Dieu. Des fois nous avons besoin de la foi, nous n'avons pas besoin de signes. Nous avons besoin de croire sans voir. Certaines choses Dieu peut le faire sans vous donner même des signes. Amen. Je peux vous raconter une histoire qui va faire rire. C'est un prophète, un frère qui prie dans une église au Congo, cherchant à poser une femme là. Et puis tu demandes à Dieu, toi Seigneur, donne-moi un signe. Je veux que tu me donnes un signe, la femme que j'ai opposée. Alors lui-même propose à Dieu un signe. Dieu Seigneur, aujourd'hui, après l'équipe, je vais sortir le premier. Je serai sous la de la seule qui viendra, mais Seigneur, celle-là sera la femme de ma vie. Il est sorti après l'équipe, il est allé, il était sous la. Je n'insulte pas, mais je dis la réalité. Et le frère avait une soeur albinos qui est venue. C'est moi qui cause bien derrière, ils sont d'habitude cause avec. Et quand. Ah, bonjour frère! Le frère commence à prier. Au nom de Jésus! Elle a demandé si. Il n'y aura ni bruit, ni vent. Mais l'eau est venue. Ça, c'est avec Élisée. Je prends des histoires. Mais avec Élie. Il dit, j'entends un bruit qui annonce. Quand on annonce, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient. Ou c'est quelqu'un qui va entrer. Par exemple, on va dire, maintenant nous annonçons l'entrée de son excellence, monsieur. C'est-à-dire, il est prêt d'entrer. Mais quand il va dire, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais pendant ce temps-là, les rois regardent, ceux qui peuvent annoncer la pluie ne voient pas de signes. Il dit, lui, tu n'es pas normal. Mais tu penses que moi je suis prophète du ministère, je ne suis pas pasteur, je ne serai jamais pasteur. Quand je dis, moi quand je vais quelque part pasteur, je cherche les signes. Si je n'avais pas vu des signes qui pouvaient me convaincre, j'allais d'avancer les recherches du pasteur, là, je suis malade, je ne serais pas venu. Et les biches, il y a un bruit qui annonce la pluie. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Ce bruit-là, celle Élie l'attendait. Il n'y avait ni nuage, il n'y avait pas encore rien. Mais il dit au roi, monte, va manger, j'entends un bruit. Il attendait ce bruit-là sur le plan spirituel. Le roi dit, mais le bruit que tu entends, moi je n'entends pas, je ne vois même pas le vent, je ne vois pas le bruit, je n'entends pas le bruit, je ne vois pas les éclairs, mais tu me dis de monter à un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Et c'est ce que tu as dit ce soir. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Amen.
Je sais que vous êtes passé dans des tourbillons, dans des difficultés. Mais il y a un bruit qui annonce la pluie. Amen. La pluie est toujours signe de la bénédiction ou de la visitation divine. Amen. Amen. Et il y a deux fois quand on attend, on ne voit rien, on peut se décourager. Mais je vais vous dire une chose avant d'avancer. Dieu ne vient jamais avant le temps, Dieu ne vient jamais après le temps, Dieu agit en son temps. Amen. À un moment donné, quand j'étais encore enfant, je pensais que mes prières pouvaient influencer Dieu. Laisse-moi te dire ce soir que, quelle que soit la prière que tu pourras faire, les gènes, je ne sais pas tout ce que tu peux faire comme gymnastique. Ta prière ne peut influencer Dieu nullement. Des fois, nous pensons que Dieu a peur de nos prières, pasteur. On prie aux autres, mais tout cela n'influence pas Dieu. Ni nos offrandes ne peuvent pas influencer Dieu. Dieu agit en son temps. Quand le juge bon de te visiter, il te visitera. Et la deuxième chose, quand Dieu a déjà fixé un temps pour visiter, après toi pour être présent. Il dit à Israël, si tu connaissais les jours que tu es visité. Il y a deux personnes, des gens que le diable amène dans la distraction pendant qu'il constate qu'il y a une visitation divine. C'est pendant que Dieu commence. Moi, j'ai compris ces choses. J'ai 16 ans de ministère, bientôt 17 ans. J'ai commencé longtemps. J'ai eu la grâce de marcher dans toute l'Europe, en Afrique, dans le monde. Je côtoyais les traditions, je côtoyais des nationalités. J'ai compris une chose en commençant par chez nous au Congo, en commençant dans ma maison. Chaque fois qu'il y a une visitation divine qui vient venir, c'est madame qui commence à avoir des problèmes, c'est l'enfant. Et dès que j'arrive à maîtriser à la maison, quand j'arrive à l'église, ce sont des problèmes qui commencent, soit c'est à l'adoration là-bas, soit c'est l'intercession. Moi, ce sont des signes pour moi qu'il y a quelque chose de grand qui peut arriver. Parce que quand le diable voit qu'il y a quelque chose de bien, de grand, il va susciter et trouble. Alors, ceux qui sont d'Israël s'attachent à ce genre-là, les fauteurs de troubles. Et pendant ce temps-là, la grâce passe. Et dès que la grâce passe, le diable s'en va. Là, les gens se retrouvent. Amen. Amen. Mais le roi, bienheureux, ce roi-là était quand même informé qu'il y avait quelque chose qui venait. Et je ne suis même pas venu prêcher. Je suis venu prophétiser quelqu'un pour dire que moi, j'entends le bruit Amen. Qui annonce l'arrivée de quelque chose. Amen. La pluie, c'est un signe de la bénédiction. Il y a toujours un temps que Dieu a fixé pour visiter son Père. Et ce temps arrive pour votre assemblée. Amen. Je pense que quand je reviendrai l'année prochaine, vous allez me donner raison du prophète qui avait dit vrai. Amen. Parce que ce roi-là n'ignorait pas qu'il c'était la sécheresse. Il n'a pas ignoré que 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Mais toi, tu viens me dire aujourd'hui qu'il va pleuvoir. C'est pas normal. Peut-être c'est ce que tu te dis dans ton cœur. Mais parce que ça fait 3 ans que nous prions, parce que ça fait 5 ans que nous attendons. La pluie, c'était quelque chose de précieux que ce peuple l'attendait. De le problème le plus sérieux à l'époque, c'était la pluie. 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Donc c'était quelque chose de grand qu'ils attendaient. C'était la plus grande bénédiction, quelque chose de très important qu'ils attendaient, c'était la pluie. Et je me pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui attend quelque chose de moi cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une bénédiction, une faveur? Ça fait 2 ans que tu attends, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que tu attends. Si vous te dites, j'entends le bruit qui annonce l'arrivée de quelque chose. Ce que tu as toujours attendu, c'est sur le chemin. Ils étaient là. Personne ne pouvait penser que la pluie pouvait revenir en ce temps-là. Va dire à Akab
Parce que le câble est déjà mort il y a longtemps, le câble oublie. Prends seulement le nom de câble, remplace pas ton nom. Tu vas comprendre très bien le message d'aujourd'hui. Va dire à John que j'attends un bruit qui annonce la pluie. Mais ça fait 3 ans, ça fait longtemps que j'attends, ça ne vient pas. Nous avons prié, ça n'a pas venu. Nous avions fait ceci, ça n'a pas venu. Nous avions gêné, ça n'a pas venu. On a donné des offrandes, ça n'a pas venu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Si tu crois, tu verras. Deux fois dans les choses de Dieu, ne cherche pas les signes, mais crois seulement. Et la foi, et tu verras les choses. Tu ne sais pas comment ça viendra, tu ne sais pas quand ça viendra, mais sois disposé à recevoir ce que Dieu enverra. Amen. Amen. Et je me suis posé la question, pourquoi Élie enverra son serviteur seulement chez les rois? Pas chez n'importe qui. Parce qu'il savait que dès que la pluie va revenir, c'est les rois qui auront moins de problèmes. Parce que quand il y a un problème dans la société, c'est les rois, les chefs, le président ou le roi qui souffrent. Mais tu vois, la pluie va revenir. C'est-à-dire, il a bien nommé, il a bien fixé son objectif. Allez dire au roi, parce que le problème de la pluie concerne le roi. Mais je ne sais pas, ce soir, il va remplacer un cadre. S'il y a quelqu'un parmi nous à qui ce message est adressé, avec toute précision. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur va devoir t'accorder ce soir. Tu le verras ici. Tu n'auras même pas un message prophétique, comme les gens beaucoup de la prophétie. Moi, je suis prophète, je prêche l'évangile. Je prophétise très rarement. Vous savez pourquoi? Parce que les gens aiment beaucoup plus la prophétie, plus que celui qui donne la prophétie. Allez dans les églises prophétiques. Les gens aiment beaucoup plus la prophétie, plus que le Seigneur. Et la prophétie, si tu n'es pas présent, va vous rendre esclave. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour toute chose, qu'est-ce que Dieu a dit? Papa dit, je refuse de faire une règle et imposer une femme qui n'est pas la femme de ma vie, bien un homme qui n'est pas la femme. Mais moi, j'avais posé la question à mon père et à ma mère qui ont fait 37 ans de mariage. Si mon père avait prié, mais je pense à l'époque qu'il ne priait même pas. Qu'est-ce que Dieu a dit pour aller faire des courses de supermarché? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a certaines choses que Dieu peut faire dans votre vie. Tu n'as jamais été prophétisé, tu n'as pas vu les signes, tu n'as pas vu un signe qui annonce, mais la chose arrive. Amen. Nous avons besoin des chrétiens qui ont la foi. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la foi. Nous avons beaucoup plus de religion à l'église que des chrétiens. Il y a une différence entre la religion et l'homme de foi. Le religieux et les chrétiens. Moi, j'explique ça. Je vais prendre un exemple simple. Jésus-Christ va dire aux disciples, allons de l'autre bord. Il a précisé de l'autre bord. Ils embarquent tous avec le Seigneur dans la barre. Arrivé au milieu du fleuve, c'est la tempête qui s'élève. Pierre utilisait quand même sa sagesse et son expérience comme il était pêcheur. Il va prendre les seaux et commence à vider l'eau de la barre. Mais il n'a pas payé à un moment donné. Il dit non, mais c'est tombé dans la barre. Monsieur, mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiète pas de ce que nous, c'est-à-dire et moi, Pierre et toi. Oui. Mais fais quelque chose. Le Seigneur s'élève. Il va menacer la tempête. Mais écoute ce qu'il dira à la fin. Homme sans foi. Comment le Seigneur va traiter ses propres disciples, des hommes qui n'avaient pas la foi? Parce que ce ne sont pas les gens avec qui ils se sont rencontrés seulement au port, là, ils ont embarqué ensemble. Ce sont les gens avec qui ils marchaient depuis longtemps. Ils ont vu les miracles. Donc, ils étaient des religieux, mais ils n'étaient pas des chrétiens. La religion croit. Mais les chrétiens ont la foi. Amen. Ou les religieux croient. La croyance, c'est quoi? Tu peux croire à n'importe quoi. Tu peux croire en Bouddha, tu peux croire, je ne sais pas, Mahomet, tu es religieux. Donc les apôtres croyaient à la personne physique de Jésus-Christ au lieu de croire à la parole de Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et non de la personne de Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux à l'église qui croient à la
de Christ, mais qui n'ont plus la foi dans la parole de Christ. Amen, amen. Parce qu'ils avaient la foi dans la parole disait, allons de l'autre bord. Quand la tempête se soulèvera, quand le Seigneur a parlé, il n'a pas ignoré que la tempête existe sur la mer, non? Il n'a pas ignoré, il savait que la tempête existe sur la mer. Mais quand il était dans l'autre bord, il était conséquent de ce qu'il avait dit. Même si la tempête se soulève, il nous a dit de l'autre bord. Il n'allait même pas tourmenter le Seigneur. C'est calme, monsieur Don, tu nous as dit, seulement pendant la tempête. Il nous a dit de l'autre bord. Soulève-toi comme tu veux, je sais que je ne mourrai pas. Parce qu'il m'a dit, j'arriverai de l'autre côté. Il devait croire dans la parole de Christ, au lieu de croire dans la personne de Christ. À l'église aujourd'hui, à ce que nous appelons l'église, il y a beaucoup de religieux, peu de chrétiens. Amen. Les religieux aiment voir, aiment toucher. Moi, j'ai toujours dit, quelles que soient les difficultés, mais si tu as parlé une fois, je m'accroche. Amen. Il m'a dit de l'autre bord, il m'a jamais dit que tu vas mourir. Si les sorciers ou les diables ne pouvaient pas te tuer pendant que tu étais encore païen, toi tu penses aujourd'hui que tu es chrétien et tu vas mourir. Amen. Espère que ces mêmes phrases, tu arriveras. Amen. Que les sorciers se lèvent ou pas, tu arriveras. Amen. Que les diables se lèvent ou pas, tu arriveras. Le problème est la foi dans la parole, pas dans la personne. Ça fait longtemps que je n'impose plus les mêmes. Moi, les un moment donné, c'est tout le monde. Tu prêches, c'est la guérison. Tu prêches à la fin, elle est le moment. Tu pries. Mais tu te remets, c'est quelqu'un qui vient. J'ai mal à la tête, prie pour moi. Et je me suis demandé, tout ce que j'ai enseigné, la prière que nous avons faite là, de toi, Dieu ne t'a pas touché. Ça, c'est la foi de Naaman. Je pensais que le prophète d'Élisée va sortir, il va jeter sa main sur ma lèvre, je serai guéri. Il n'y aura que la loi disait qu'un homme de Dieu ne pouvait pas toucher un lèpre. Et vous savez que jusqu'au sixième fois, quand Naaman a plongé, il est ressorti, il était toujours lèpre. C'est la septième fois qu'il a plongé, qu'il est sorti, il était guéri. Si vous avez la foi dans ce que vous prêchez, vous n'avez même pas besoin que le pasteur vous impose les mains. Amen. Moi, je pense que les rois, il a seulement dit à ce monsieur-là que vous êtes des fous et seulement manger tranquillement parce que ça fait 3 ans. Situation est changée. Il n'y a pas eu de changement. 3 ans déjà, il n'y a pas eu de pluie. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez me convaincre que ça va pleuvoir. Des fois, quand nous prêchons, les gens ne croient pas. Ils disent Amen dans leur bouche. Mais ils me disent la situation, là, ça fait 5 ans, 6 ans, je n'arrive pas à mettre au monde. Amen. Mais je ne pense pas que ça va faire ça. Amen. C'est le temps. Quelqu'un qui dit Amen, mais au fond, lui, ne croit pas. Ils sont nombreux à l'église. Je peux, pour certaines personnes parmi nous, nous allons dire Amen, mais quand la visitation viendra, je ne pense pas que nous serons ou nous recevrons celle-là. Alléluia. Amen. Je m'en vais vous dire une chose. Dieu, il fixe le temps et il se met à côté, commence à regarder la réaction de l'homme. Il prie, il exauce, il enregistre. Des fois, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus très forts, des fois, menace même Dieu. J'ai rencontré un jour une soeur qui priait, qui disait, t'es mort sur le fond, mais c'est un esprit, mais béni, j'arrête de prier. C'est dans la prière. Seigneur, cette année, si tu ne me bénis pas, j'arrête de prier, j'arrête de prier. C'est comme si elle avait dit de prier, Dieu va perdre. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse sur la notion du temps. Vous savez, ce qui est bien, c'est quoi? Dieu n'est pas influencé par le temps, mais Dieu influence le temps. Tu peux faire de ce qui n'était pas ton temps devient ton temps. Si ce qui n'était pas ta saison devient ta saison. C'est pour moi je prêche la romance sur la notion de la saison. À un moment donné, j'avais beaucoup prêché cette saison, cette saison. Parce que beaucoup plus les Américains, tous les grands pasteurs américains parlent sur la saison. Mais quand j'ai grandi dans la foi, j'ai compris que la notion de la saison limite certaines personnes. Vous allez me croire. Oui, quand tu grandiras, tu me donneras raison. À partir d'aujourd'hui, tu vas me donner raison. C'est ta saison. Donc, si ce n'est pas ma saison, je ne serai pas béni. Amen.
Mais il y a eu un problème en Israël. C'était au désert. On a pris des verges des 12 chefs des tribus d'Israël, on les a fait entrer dans le tabernacle. Papa, on ne les a pas enfouis dans le sol, on les a déposés sur moi. Le lendemain, on vient, on prend la verge d'Aaron qui a fleuri, qui a des amandes, et qui des feuilles, des fleurs et des amandes, mais il n'y avait pas de racines. Amen. Vous comprenez? Il n'y a pas de racines, mais il y a eu des feuilles, il y a eu des fleurs et des fruits, et c'était la saison. Sarah était devenue ménopausée, c'est-à-dire qu'elle n'était plus dans le temps normal pour enfanter. Mais Dieu lui a donné un enfant. C'est-à-dire ce que Dieu, ou ce que l'homme ne peut pas te donner dans le naturel, Dieu va te le donner dans le surnaturel. Donc des fois quand nous entrons dans la notion de la saison, nous limitons Dieu. Ça peut ne pas être ma saison, mais dans le surnaturel, Dieu fait que cette saison devienne mienne. Et ma prière ce soir, que Dieu puisse changer un peu ta saison. Si ce n'est pas ta saison, si tu as la foi, Dieu peut faire que cette saison en devienne tienne. Amen. La Bible dit, il fait pousser dans les déserts de vergers. Dans les déserts là, il y a tout un jardin que Dieu fait pousser. Et dans ton désert, le Seigneur est capable de l'arroser et de faire pousser quelque chose. Amen. La notion de la saison est bonne. Mais j'ai compris une chose. Il est le maître de l'influence le temps. Et tout en étant sage, Dieu s'est arrangé de rester en dehors du temps. Mais savez que s'il était dans le temps, lui-même sera influencé par le temps. Alors, il s'est arrangé de rester en dehors du temps. Il vit dans l'éternité, mais il contrôle le temps. Amen. Amen. Les jambes droites sur le passé, jambes gauches sur le futur, là, assis sur le présent, il contrôle le temps. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Parce que si Dieu était dans le temps, il sera soumis à la pensée du temps. Mais il est en dehors du temps. C'est ce qui fait que Dieu a l'influence du temps. Et il n'est pas influencé par la saison, mais il peut influencer la saison. Nous avions vu des fois qu'une saison n'a pas à l'autre, au milieu de la saison, sèche, c'est la pluie qui tombe. Demandez ça à nous. Dans ta vie, elle est étude et la foi. De croire d'abord, sans voir les signes de Dieu, sans voir, attendre la prophétie, mais attends-toi seulement que Dieu vienne me visiter. Amen. Quand tu le fais. Les rois ne pouvaient pas s'attendre que ces jours-là, la pluie reviendra. Et quand on nous dit que la pluie va revenir, il dit, ça fait 3 ans, je ne pense pas. Laisse-moi te dire ce soir. Ça fait longtemps, je sais. Ça fait longtemps dans ta vie que tu attends quelque chose de précis. Comme le peuple attendait le bruit. Je te dis que j'entends le bruit. Amen. Il y a un mot qui annonce quelque chose qui va venir. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui voit. Amen. Les problèmes de l'eau. Parce que la pluie, c'était le problème de l'eau. Et la même situation s'est passée au temps d'Élisée. Il y a eu 3 rois qui partaient à la guerre. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Ils ont posé la question, y a-t-il pas un nom de Dieu dans cette ville que nous allons rencontrer pour trouver solution aux difficultés que nous avons? C'est toujours le problème de l'homme. C'est quelqu'un parmi eux qui va dire, oh, il y a un. Là, on est minimisant. Mais c'est quelqu'un qui versait de l'eau sur les mains de lui. Quand il y mangeait, c'est lui qui avait versé de l'eau pour laver les mains. Quand il pouvait se salir les mains, c'est-à-dire c'était comme un domestique. Il y a un Israël, mais il versait de l'eau sur les mains de lui. Quand même, il a la parole dans sa bouche. Le roi dit, oh, c'est bien ça. Tu as dit quelque chose de bien, nous pouvons le voir. Vous savez ce que Pierre dit qui aime les rois. Ce n'est pas qu'il versait de l'eau. Ce n'est pas qu'il avait seulement la parole, mais c'est parce que l'Élie versait de l'eau sur les mains d'Élie. Le roi s'est souvenu qu'à l'époque de nos pères, il y avait un problème d'eau en Israël. C'est Élie qui l'avait résolu. Alors, comme lui versait de l'eau sur les mains d'Élie, il peut me donner la même solution. Alors, ils ont terminé chez Élie. Nous avons besoin de l'eau. Je pense qu'à l'heure d'où ils attendaient aussi, comme Élie dit, bon, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il parlait quand c'est dit, Élisée les regarde. Il dit, amenez-moi le jour de la harpe. Rentrez un peu dans l'adoration. Quand ils ont commencé à adorer, Élisée dit, il y aura les vents. Il y aura les bruits. Mais l'eau va venir. Il y a certaines choses que Dieu peut faire dans ta vie. Sans bruit, sans tam-tam ni trompette. Toi-même, tu te lèves, tu te demandes, tiens, ça vient d'où? Ça commence. Il n'a pas intérêt à nous les annoncer.
précurseur. Mais Dieu le fait. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous accorde. Ça même, on n'a même pas demandé, on n'a même pas prié. Réalise maintenant ta vie, les choses que Dieu t'a accordées par rapport à la prière, et ce que Dieu te donne pendant que tu pries, tu verras que ce qu'il t'a donné en dehors de ta prière est beaucoup plus que cette prière. Ce qui compte dans le Seigneur, c'est avoir la foi. Vous savez, moi j'ai toujours dit, parce que permettez-moi ça, c'est moi, c'est pas la Bible. Mais peut-être j'ai raison, et je crois que j'ai raison. J'ai toujours dit que la prière ne bénit pas. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Je vais t'expliquer. Nous ne sommes pas bénis par la prière. Mais la prière nous aide à fuir les péchés et à nous sanctifier. Amen. Nous sommes bénis par la grâce en croyant au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes bénis dans les liens célestes et toutes les besoins spirituels en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit, un verset qui dit ça. Nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les liens célestes. Avant que tu sois allé, Dieu t'avait déjà béni. Donc la prière là, c'est pour seulement te sanctifier, te sécuriser pour que tu sois dans l'état qui va te permettre de recevoir les leçons de Dieu. Parce que si nous étions bénis par la prière, tout le monde sera béni. Tout le monde sera béni. Mais nous sommes bénis quand nous croyons seulement au Seigneur, nous rentrons dans la bénédiction. La prière, la Bible dit, jeûner et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Jeûner et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc la prière est très bonne pour résister aux attaques du diable. Mais la bénédiction, soit seulement connectée au Seigneur, soit dans la foi, mal dans la sanctification, le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas eu ni bruit, ni vent, mais ils ont vu ces malots en train de venir. L'eau a rempli ce qu'ils avaient creusé. Ce qui leur manquait, c'est une seule chose, c'est pendant que je vais m'arrêter. Élisée leur a dit, vous l'envoyez de l'eau. Ils regardent, dans leurs mains, il n'y avait ni bidon, ni récipient, ni rien pour contenir ce qu'ils cherchaient. Ils partaient. Ils ne pouvaient pas voir, boire seulement, ils pouvaient avoir aussi des provisions, d'eau. Mais disait les gars, vous voulez avoir de l'eau. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre main? En quoi cette eau sera déversée? Allez d'abord vous creuser les fossés dans la vallée. Ensuite, l'eau viendra. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Seigneur, bénis-moi, nous voulons parler. Le Seigneur, bénis-moi, mais tu n'as pas encore, tu n'as pas de récipient, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas graissé. Tu as en toi, il n'y a pas de disposition qui va permettre ce que la bénédiction de Dieu te soit accordée. Graisse-moi. Crée un espace prophétique pour recevoir la grâce qui viendra de toi. De quoi nous crions, nous, le pasteur. Nous faisons des déclarations, mais en toi, il n'y a pas d'espace prophétique pour recevoir la grâce de Dieu. Un jour, je suis en train de prêcher le pasteur. Et j'ai deux soeurs qui étaient assises de côté. Elles ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, je me dis, donc ce sont des celles qui ne s'attendaient pas. Quand tu déclares, elles disent tout ces amen. Vous savez, des fois, nous perdons le temps inutilement à l'église. La Bible dit, si tu ne t'entends pas avec ta sœur, ton frère, va d'abord arranger avec venir à l'église. Tu viens à l'église, tu pries au moment où tu as des problèmes avec les gens. Et quand il faut adorer, tes mains sont élevées. Tu adores, tu pleures même. Toi, tu crois que tes larmes pèsent vraiment fiancé Dieu. Ni tes larmes, ni tes cris, ni tes pleurs, tu n'as rien. Crée un espace dans ton cœur. Pour quand la grâce de Dieu te verse, que tu puisses recevoir. La pluie, c'est l'image. La pluie prend plusieurs images dans la Bible. Ça peut prendre l'image de la parole, ça peut prendre l'image du sang, ça peut prendre l'image de la grâce de Dieu. Les rois voulaient voir des signes. Pendant qu'il n'y avait rien qui annonçait la pluie. Il a vu seulement la pluie qui commence à tomber.
il y a quelque chose. J'attends moi les bruits qui annoncent la pluie dans cette église. Aujourd'hui, si vous vous exhortez, je ne suis pas de prêcher. Je vous exhorte. Et je vous prophétise, il y a un bruit qui annonce la pluie. Ayez la foi en Dieu. Ayez confiance dans votre pasteur. Jamais une bête est descendue au premier niveau pour aller prendre la provision. Elle commence à manger. Un jour, pasteur, je prêche dans mon église. On vient m'informer. Tu vois, c'était une femme là qui était venue, c'est pas nous. Dieu me dit, elle dit qu'elle est docteur en théologie. Elle peut faire ce que tu fais, Elle peut bien prêcher plus que toi. Mais le plus chez moi. J'ai dit, mais gloire au Seigneur. Docteur en théologie, j'aime ça. Ici, là, c'est moi qui Dieu a établi. Tu dois te soumettre pour recevoir ce qui vient de nous. Dieu est tellement organisé qu'il ne peut pas mettre des leaders sur une même église. Là, ce serait un monstre. Par sa sagesse, lui-même, Dieu construit une église qui n'a pas de tête. L'église avait des têtes. C'est pourquoi l'église prend la... Vous allez m'excuser les mamans. C'est pourquoi l'église prend les mains et les poses, parce que les poses n'ont pas de tête. Je m'explique, maman. La femme n'a pas de tête, elle me donne raison. Écoutez-moi, non. Suivez-moi d'abord, si je peux parler. Elle s'appelle Christine Massila. Papa, vous appelez quoi? Mateza. Papa Mateza va épouser Christine Massila. Après, quand on pose la question, ou quelqu'un voit que c'est Mazila. Oh, Madame Mateza. Où est parti avec le nom de Mazila? Elle a pris le nom de son époux. Donc comme Christ est la tête, l'église est le corps. Je vois dans l'image que l'église a, c'est l'image de l'époux. C'est pourquoi je dis la femme n'a pas de tête. C'est l'église, c'est l'image de la femme. L'église est une épouse, n'est-ce pas? La Bible dit que l'église est le corps de Christ. Dieu s'est réservé de donner la tête à la femme. Parce qu'il donne la tête de la femme, ce serait un scandale. Amen. Ouais. Amen. Et vous dites, frère, mais ce qui est bien, c'est quoi? Vous allez me donner raison, maman, vous serez content. Et bien, la Bible dit, dans le livre de Dieu, mais je ne m'arrête pas. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. L'enfant qui nous est né s'appelle Jésus. Le fils qui nous est né s'appelle Christ. Il faut faire la différence dans ces deux notions. Jésus-Christ. Jésus, c'est l'enfant de Marie. Mais Christ, c'est le fils de Dieu. Mais tous les deux se trouvent dans une même personne. Parce que le Christ, c'est l'Esprit. C'est l'incarnation de l'Esprit divin dans la chair qu'on a appelé Jésus. Mais d'abord, la Bible dit, la domination reposera sur les épaules. Les épaules ne font pas partie de la tête, mais les épaules font partie du corps. Ah, la maman est arrivée. Vous êtes arrivés, oui. Il prend la domination, les règles. Il ne voit sur les épaules. Donc la gloire de Christ est dans son église. La domination de Christ est dans les corps. C'est pourquoi c'est la femme qui gouverne et qui organise toutes choses. Je pense que là nous sommes d'accord. Hein? Yes. C'est le point de la Bible. Vous avez dit Amen. Donc, si nous comprenons ces choses-là, il y aura l'équilibre, même dans nos foyers, même dans notre église. Si tout le monde veut devenir chef, le but disparaît. Amen. Ouais. Dans la notion de principe de leadership, vous savez que tout le monde est leader parce que nous sommes créés avec l'esprit de leadership en nous.
La Bible dit, j'ai fait l'homme à mon image de ressemblance pour qu'il règne, qu'il domine. Mais chacun sera leader, il va manifester le leadership dans son domaine. Amen. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as un leadership en toi, tu dois être leader ici. Des jours, moi j'ai trouvé une église quelque part où l'église, les pasteurs, il y avait quatre pasteurs qui dirigeaient l'église en collège. Je leur ai dit, dans 6 mois, cette église va disparaître. Et j'avais prophétisé. 6 mois, c'était beaucoup. Dans 3 mois, il y avait un conflit de leadership. C'est moi qui vais être chef, c'est moi qui vais être chef. Dans une église, il y a assez d'idées. Et les autres s'accrochent. Quand vous soutenez celui qui était établi, pendant qu'il monte, vous montez ensemble avec lui. Amen. C'est comme ça. Amen, amen. Quand vous soutenez la vision que Dieu lui a donnée, vous le soutenez. Pendant qu'il monte, vous montez ensemble avec lui. Amen. Quand lui coule sur la tête d'Aaron là, ça ne s'arrête pas la barre. C'est juste que sur le pan de la rose jusqu'à la pointe de pied. Même les chrétiens bébés qui viennent d'arriver là-bas, ils vont bénéficier de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Amen. Dieu est tellement sage, lui ne commence pas par les bas, lui commence par les hauts. C'est-à-dire l'onction descend, se manifeste premièrement dans la classe de leadership. Après ça descend sur l'église. Amen, amen. Alléluia. Moi j'ai toujours dit à Dieu, si quelqu'un qui doit être béni premièrement à l'église, c'est le pasteur. Je vous dis frère. Si le pasteur n'est pas béni, il sera esclave des fidèles, il sera dirigé commandé. C'est celui qui fait dire, sinon si tu ne fais pas ça, on ne va pas payer ta maison, tu es pasteur. Si tu ne fais pas, tu sais que l'inverse là, c'est moi. Et je m'arrête par ici, pasteur. Ma femme avait fait ça. Ben, dirige pas comme ça. Merci. Parce qu'à l'époque, on a commencé les ministères, il n'y avait pas suffisamment de moyens. Quand ma femme s'habille, c'est-à-dire les 7 dimanches, le culte, quand nous prions les mardis et les jeudis, c'est une autre soeur qui va acheter des choses que madame m'a acheté. Ce sont les chaussures ou les sandales, à Niatiamoro, elle les porte d'une manière sabotée. Si ce sont des vêtements, elle les porte d'une manière délaissée, délabrée. Et quand elle vient, bonjour maman, ça va? Comme nous, on ne fait pas attention quand on rentre à la maison, maman dit, ah, tu vois, tu as vu ce qu'on m'a fait? Et c'était souvent comme ça. Comme Dieu est gentil, Dieu m'a ouvert, mais à la porte du monde. Je commençais d'abord à Europe. Je vais aux États-Unis, mais là, je commence à acheter des choses quand je les amène là. Ils vont chercher partout, cadeau, vite, ils ne les trouvent pas. Et il y avait du respect. Parce que mon Dieu te bénisse et qu'il t'élève. Amen. J'attends, dis dans ton passé, j'attends un peu. Amen. Laissez-moi laisser mon ventre une exhortation pour donner ce message. Prochainement, je vais te donner un péché. Dis-lui, j'attends un bruit qui annonce l'arrivée de ma bénédiction. Je n'ai pas besoin de voir les signes que les diables ne veulent ou pas. Mais cette pluie-là arrive. Que les diables ne veulent ou pas, cette bénédiction va arriver. Moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Et je suis le point d'arriver. Moi j'entends ce bruit là. Si le roi a vécu ce miracle, toi si tu ne vis pas. Si un jour le roi a vécu ce miracle, crois-moi, tu verras ça se manifester. Et c'est pas pour longtemps. Tu dis que c'est pas pour longtemps. Si pour longtemps, pour ton voisin, ça va te dire. Dites-lui pour moi, c'est pas pour longtemps. Dites-lui pour moi, c'est pas pour longtemps. Parce que moi j'entends ce bruit-là qui annonce l'arrivée d'une pluie. La pluie de la bénédiction, la pluie de l'élévation, la pluie de la grandeur, la pluie de la restauration, la pluie de la guérison. Quand la pluie vient, elle apporte plusieurs grâces. Je ne sais pas ce que toi tu attends ce soir. Peut-être c'est la guérison, peut-être c'est le mariage. Je ne connais pas ton besoin le plus pressant, mais je sais qu'il y a une pluie qui vient. Et dans cette pluie, chacun va prendre ce qui lui appartient. Celui qui a besoin de la guérison, il reçoit la guérison. Celui qui a besoin de la délivrance, il reçoit la délivrance. Celui qui a besoin de la restauration, il reçoit la restauration. Les choses qui ont traîné, les choses que tu attendais depuis longtemps, c'est ce que le Seigneur t'accorde ce soir. Crois-moi. Les choses qu'on dirait, que tu as toujours entendu depuis des années, le Seigneur m'envoie te dire que c'est le moment. Si tu as la foi, tu verras la compétition. J'entends. Ce que Elia dit,
au roi, après quelque temps, la pluie tombe. Amen. Que la pluie tombe sur ta vie. Amen. De la faveur de Dieu. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Reçois la faveur des anges. Amen. Reçois la faveur des autres. Si toi tu n'entends pas, moi j'entends. Amen, amen. Il y a quelque chose qui vient. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne le sens pas. Mais je crois que ça vient. Comment, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais ça vient. Amen, amen. Ça veut dire quand, deux fois quand Dieu veut te visiter, il ne pose pas la question, ça viendra comment? Ça va se faire comment? Les quand, les pourquoi, les comment, ça va bien Dieu. Toi, tu as besoin d'avoir seulement la foi. Amen. Mais ce n'est pas besoin d'une femme ou d'un homme qui a la foi ce soir. Amen, amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu dis, quand tu vas rentrer, dis à ton mari qui n'est pas arrivé, mais la pluie est déjà là. Amen. Il va dire, oui, madame, depuis le matin, ça fait trois jours qu'il pleut. C'est pour seulement te dire que c'est le temps de la visitation. Amen, amen. Dieu va visiter un frère ou une soeur. Je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu va te visiter. Amen, amen. Amen. Que ton amen soit un amen sérieux. Amen. Il ne faut pas dire amen par habitude, mais il faut dire amen avec foi. Amen. Moi, je crois. J'ai deux missions pendant que je venais. J'ai prié à Dieu maintenant. Je pars. Mon voyage, j'étais à New York, à Los Angeles, partout. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me donnes comme message? Dieu m'a donné un message. De va, je t'accompagne avec l'onction de l'accomplissement. Amen. Donc quand j'arrive quelque part, il y avait la promesse, je prie, je passe, je viens accomplir tout ce que Dieu t'avait promis. Amen. Donc je vais seulement libérer l'onction de l'accomplissement. C'est ce que Dieu m'a dit pendant que je quittais mon pays. J'ai quitté mon pays depuis les 5 mois passé, je rentre, c'est 12. Je t'accompagne avec l'onction de l'accomplissement. Ma prière est que ce jour, en ce soir, que le Seigneur libère l'onction de l'accomplissement sur cette assemblée. Amen, amen. Que toutes les promesses que le Seigneur vous a faites s'accomplissent. Si je vais te donner mon témoignage, tu vas t'étonner. J'ai été empoisonné 3 fois. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Dieu m'a guéri miraculeusement. Encore des promesses qu'il m'avait faites. Moi, je rappelle que Seigneur, je suis empoisonné. Je m'en vais mourir. Mais tu m'avais dit. Tu m'as dit. Je n'ai pas encore vu. Donc tu m'as trompé. Il n'est pas un fils d'homme pour tromper. Amen. Amen, amen. Il m'a dit, fais ça, c'est parti. Je te relate ma vie. Tu vas pleurer à ma place. Nous sommes ces gens-là qui partent à l'école avec qui l'ont trouvé. Au catacombe, imagine. Mon père était un sorcier au travail. Il a perdu son travail. On a souffert. Mon père était cadre à la GKM. Mais c'était une chute directement. On était allé habiter dans une maison qu'on construisait qui n'était même pas achevée. Et on partait à l'école. La chose ne pouvait plus enfoncer la chemise. Un jour, il est arrivé à l'école. Il me dit, tu te lèves, toi, enfoncer sa chemise. C'était un problème profond. Je pleure, on m'a soufflé, je ne pouvais pas révéler mon secret. Nous sommes ces gens-là. Et je suis allé prêcher dans l'église d'un ami. Il m'invite parce qu'il a reconnu ma grâce. Parce que j'ai une petite grâce dans la démonstration de l'onction. Si j'ai dit toute l'église par laquelle vous allez. Il m'invite, j'arrive sur lui bien aimé. Il me regarde de tête en bas. Comment j'étais dit? Bon. Quand même, bon. Quand même, ça va. La parole va couvrir des faiblesses. Il me dit en face. Je me disais, je rentre ou j'entre. J'ai dit non, c'est la mission. Je suis entré. Je prêchais l'évangile ce jour-là. Il n'était pas l'homme donc. J'ai fait la démonstration, la colère. Quoi. Il disait, tournez à Pascal. Mais quand je suis rentré, j'ai dit à madame, écoute ce qui s'est passé. Mais cet homme-là aujourd'hui, c'est moi qui l'assiste. Pourquoi? Je croyais à tout ce que le Seigneur me disait. Je suis un homme de foi. C'est ça ma force. Pendant qu'on souffrait, le Seigneur me dit, je prie dans la montagne, en brousse. Dieu me dit, tu vas monter les avions comme les taxis. J'ai rentré à mes collaborateurs, écoute ce que Dieu m'a dit. Les autres se sont moqués de moi. L'unique voyage que je suis venu, j'ai refusé d'aller au Canada parce que j'ai pris 11 avions.
depuis le mois passé. Tout ce que le Seigneur te dit reste vrai à jamais. Amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu as la foi, tu verras l'accomplissement. Amen. Il y a toujours les hauts, il y a les bas, mais ne reste pas en bas. Tu tombes, relève, tu dois pousser tes amis, avance. Amen. Amen. Ce qui est vrai, l'ennemi ne pourra jamais t'anéantir. Là, crois-moi. C'est aujourd'hui, il a fallu que les diables ne sortent de bon pendant que tu es encore païen. C'est pas aujourd'hui que tu es chrétien que tu seras anéanti. Amen. Aie confiance en Dieu. Aie confiance dans ton pasteur. Tu verras la gloire de Dieu. Ce ne sont pas les peuples qui ont choisi Moïse. C'est Dieu qui a choisi Moïse pour le peuple. Il n'a jamais même demandé la vie du peuple pour mettre Moïse à la tête de ces gens-là. Aujourd'hui, les fidèles commencent à se décider quelle sorte de pasteur ils peuvent avoir. Vous n'avez même pas le droit de poser la question à Dieu. C'est Dieu qui choisit un pasteur pour une fidèle. Ce n'est pas la fidèle qui choisit son pasteur. Ils étaient là en Égypte. Dieu parlait avec Moïse. Moïse était choisi pour conduire mon peuple. Le peuple n'a jamais choisi Moïse. C'est Dieu qui a choisi Moïse pour le peuple. Et Dieu savait que Moïse était bête. Alors, ce n'est pas le peuple qui allait dire à Moïse, tu sais que Moïse est bête, d'abord il est en train de bégayer, tu lui prends un chemin. Il n'y a pas de pasteur parfait. Je suis homme de Dieu, je vous dis vrai, qu'on ne vous trompe pas. On nous a enseigné l'évangile qui n'est pas vrai. J'ai vérifié dans toute la Bible, à part Jésus-Christ, je n'ai pas trouvé un homme parfait. Tous, la Bible dit, nous tendons vers la perfection, mais nous sommes des saints. Quitte cette église parce que ce pasteur est menteur. Tu arriveras de l'autre côté, tu vas trouver un pasteur colérique. Tu arriveras, tu vas trouver. Chaque homme a ses faiblesses. Amen. Mais moi, je suis derrière celui que Dieu a établi pour me diriger. Amen. Yes. Amen. Si tu regardes les livres comme un mot, un bégaiement de moi, tu n'arriveras jamais en Canaan. Amen. Amen. Je vous parle, je vous enseigne ces enseignements de la maturité. Amen. Mais regarde à ce que Moïse te fait voir. C'est Canaan. Aujourd'hui, les gens commencent à choisir les pasteurs. Moi, je vais les prier. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que dans cette vision-là, il y a la provision? Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils déposent maintenant l'offrande sur un hôtel qui n'est pas approprié. Son nom n'est pas lié à cet hôtel. Dans cette église, il n'y a pas sa provision. Il a laissé sa provision ailleurs. Amen. Ça, c'est la maturité de l'Église française. Tu as laissé ta provision à elle. Rentre dans l'âge. Ne sois pas invité, tu seras englouti dans l'eau. J'entends un bruit. Amen. Qui annonce la gloire. Amen. On va prophétiser, tu es maintenant sur la pasteur. Pasteur, et ça, le moment où vous avez la projet, on aura place. Pour l'église. Bon, quand tu as fait le Seigneur, mais que vous avez arrêté ce projet-là. Vous savez, après les prêts, il y a toujours une élévation. Mais néanmoins, dans toute équipe, s'il n'y a pas un Jida, il y a un Absalom. Ils sont toujours nécessaires pour le ministère. Nous avons aussi besoin de cette chambre. Vous savez pourquoi? Parce que l'Absalom doit mourir pour sanctifier le trône royal. À moins que l'enseignement prophétique. Parce que l'Absalom, le trône royal était déjà souillé par David. Il avait pris la forme du riz. Mais il a fallu le sang d'un prince pour sanctifier le trône royal. C'est pourquoi Absalom pouvait mourir dans l'intérêt de lui. Cherchez une grande place plus que celle-ci. Je sais ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas un flatteur. Mais je dois vous dire ce que le Seigneur me dit. Amen. Si vous me croyez, la pluie que je vous dis, c'est pour les dimanches quand je dis à ce moment-là. Il va venir. Va susciter un grand réveil dans votre église. Vous allez attendre un effectif que vous n'avez jamais. Alors cet espace est trop petit. Je termine par là, parce que cette fois-ci je termine. Non, il m'a dit à car. J'ai encore 5 minutes pour que j'allais terminer il y a longtemps. Je respecte ce que le pasteur m'a dit.
Un jour, je suis parti à l'église. J'avais l'argent de mon loyer dans cette poche et le franc ici. Les Saint-Esprit compliqué. Il y avait un problème d'argent à l'église. On demande l'argent et l'argent qu'on a demandé, c'était la somme que j'avais. Mais je me suis dit, moi-même, je ne peux pas donner une somme nombreuse à l'église, moi-même, je ne peux pas donner tout quand même. Moi, je donne ma petite contribution qui était ici. Je suis allé arriver. J'ai mis à ma gauche. Sans savoir. Et j'ai même pas vu. Je suis rentré. Après les cultes, je vérifie quand même, je devais aller voir mon mari. J'étais encore enfant à l'époque. Je suis allé voir le pasteur qui était mon père spirituel. Je fais je vais récupérer. Il me dit, oh, Satan, amène le panier. Il dit, c'est ici. Vérifie, tu récupères comme c'était en l'église en dollars là. Tu récupères. Mais, je peux te dire une chose. Le Saint-Esprit qui a touché ton bras là, au passé, l'argent n'est pas bête. Il me dit l'argent qui était déposé dans le panier de l'offrande, on ne le retire pas. De l'argent qu'on a donné comme contribution à l'église, on ne le retire jamais. Et c'est ce que j'ai dit. Amen. Je ne suis pas parlé pour quelqu'un, mais je sais que si tu avais donné une contribution pour tel ou tel, et tu le dis, tu as retiré la malédiction. Merci d'avoir visité Raleigh Icon TV et nous croyons que vous avez été bénis par notre message. Et si Dieu fait trouver grâce, nous aimerons te voir encore. Merci bien, que Dieu vous bénisse.